Coucou mes choubidous, je voulais vous présenter le nouveau modèle de chez Action. Action. Réaction. Action. Coucou mes choubidous. Alors comment je suis habillée aujourd'hui? Je vous montre comme ceci. Voilà, avec la petite chaîne, c'est assez mignon. Bon, alors, eh bien, je suis allée... Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis rentrée du travail... le souci, c'est qu'il n'y avait pas de transport, qui est très joli. Alors, sur ce, je suis allée à Carrefour. Ils sont en train d'installer le drive d'ailleurs. Alors, je vais vous dire ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai acheté des croissants. Cette semaine, jusqu'à la fin du mois, non, le week-end, il y a mon fils qui vient. Mais sinon, je suis toute seule. 1,60€ avec Ivy. 1,70€. Les croissants. Franchement, c'est bien parce que c'est des petits sachets. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous connaissez, pardon pour le bruit. Mais honnêtement, c'est génial. Voilà, c'est par petits sachets comme ça. Et ça coûte 1,72€ et il y en a 4. Donc c'est bien ça, parce qu'il y a 8 croissants, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ça j'en ai pour la semaine. Je me suis pris du gorgonzola, parce que j'avais envie de manger du gorgonzola, j'adore le gorgonzola. J'en ai eu pour 2,19€, quelque chose comme ça. J'ai pris, là par contre j'étais très étonnée, j'en ai eu pour même pas 1,40€, des tailles fines à la fraise, 0% de matière grasse. Je trouve que franchement c'est pas cher du tout. Voilà, franchement. Voilà, ensuite j'ai pris des petits croutons, j'ai pas vérifié le prix, tant pis. C'était 1,24€. Alors vous avez frotté à l'ail et au persil. Vous avez croustillant, moins 25% de sel. Bah, j'ai payé 1,12€ celui-là par contre. Je pense que c'est typiaque. Je pense que c'est pas mal. En plus, j'ai pris des petits champignons pour 1,99€. Franchement, ils sont super beaux. On peut les manger en poêlée ou on peut les manger à croquer. Alors moi, je ne vous cache pas, je les mange en salade. Mais je les mange crus. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir. En plus, ils doivent être lavés, je pense. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Voilà. Attendez. Alors, mon make-up du jour, c'est avec la palette Make-up Révolution, la dorée. Enfin, la dorée et la rose, c'est un mélange. Alors... à croquer, je pense qu'il ne faut pas les laver, mais moi sincèrement, mais je les épluche hein, par contre, je vais vous montrer, j'épluche, j'adore, j'épluche, voilà, oui on a compris Sybille, c'est bon, hein, tu vas pas mettre 3 plombes pour éplucher. En plus je parle mal, c'est quoi cette, voilà, j'enlève le champi, j'enlève le truc, donc il est tout propre, et voilà. J'adore. C'est pas tout, hein. Mais je suis toute seule alors. Patou, je te fais des gros bisous, ma Patou Rosie, si tu me regardes. Attendez. Alors, ça coûte une blinde. Oh, ça coûte une blinde, ça pèse une tonne, pardon. Ça coûte une blinde, n'importe quoi. Petite anecdote dans le bus. Il y a une dame qui était en train de partir. Moi, j'étais chargée comme un bourrico. Il y a une dame qui était en train de partir. Et moi, je prends la place de la dame, ce qui est normal. Et la dame, elle me dit « Non, vous pouvez me laisser la place. » Je fais « Pourquoi ?» Je dis « Si vous avez des places prioritaires, montrez-moi la carte ou allez directement aux places prioritaires. Vous avez des places pour ça ?» Elle dit « Ouais, mais je ne vais pas demander. » Je fais « Mais pourquoi ?» Moi, non. Je dis « Je suis désolée, je reste assise. » En plus, je voyais bien qu'elle avait rien, quoi. Mais rien du tout, c'était du cinéma, quoi. Elle dit « J'ai mal au dos. » Bah, je lui dis « Moi, j'ai des vertiges, j'ai pire que vous. » Alors, j'ai failli lui dire « Vous savez quel âge que j'ai ? Vous avez peut-être même pas 30 ans, 35 ans, 36 ans. Moi, j'ai 60 ans. Alors, s'il vous plaît. » Et puis, j'ai bien montré avec mes yeux que je ne lui donnerais pas la place. Et quand même, arrivé à l'avant, juste un petit peu avant l'arrêt, je lui ai laissé la place. Mais je lui dis « Mais madame, je suis désolée, je n'avais pas à vous laisser la place. Vous pouvez prendre les places prioritaires. » Elle dit « Oui, mais je n'ai pas sorti ma carte. Ben, sortez-la. » J'avais envie de dire, mais non, bref, je ne peux pas parce que voilà, après, j'ai encore des histoires. Alors ça, j'ai pris les trois, comme ceci, 3,30€. Ce sont des gnocchis. Alors, vous aviez à poêler normal et à poêler au bacon. Et moi, je préfère au bacon, voilà, donc, parce que ça me fait un repas.
Donc voilà, je vais. Donc voilà, pourquoi donc voilà? Allô? Oui, à Houston, oui. On a un problème. Cette fois-ci, Sybille, elle arrête pas de dire voilà. Wally, Wally, Wallou, voilà. Donc, non, ne dis pas voilà, s'il te plaît. Donc, voilà. Les 3 euros 30. Sinon, je ne sais pas combien c'était le paquet. Mes petites tomates à 1 euro. Tout ça, c'est Carrefour. Hein. Et en plus, à chaque fois, ils me donnent un ticket à 3 euros, une réduction. Donc, j'avais, là, je fais mes courses. Je devais en avoir pour 40, je crois. J'en ai eu pour, pas tout à fait 40. J'en ai eu pour 36 parce que, ouais, enfin, bref, j'en ai eu pour 36 parce que j'ai eu 3 euros de réduction. C'est cool, hein. Et là, elle m'a redonné un ticket encore. Mais je lui dis, il n'y a qu'à moi ou quoi? Mais tant mieux. Parce que les autres, ils n'avaient pas. Et moi, à chaque fois, hop, il y a un ticket de 3 euros qui sort. J'ai pris ceci, alors ça c'est quand même 2,80€, orange pêche de vigne, 100% pur fruit pressé. Ça je pense que ça doit être une tuerie. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle plein fruit. Je pense que si vous voyez là, on va regarder ensemble. Mais, jus d'orange 57,6, jus de raisin blanc 29,5, purée de pêche de vigne 6,5, purée de pêche 6,4, c'est que du fruit. Franchement, mais attendez, je suis pas bête quand même. Oui, jus d'orange 57,6. Bonjour Sybille, nous avons effectué. Ah, c'est Sephora, j'avais fait une commande et j'arrivais plus à rentrer, j'arrivais plus à recevoir le mail, là, j'étais bloquée. Du coup, ma commande, ben, j'ai fait une commande à Herborea. Ceci. Du poulet, 3,80€, déjà tout cuit, il a l'air super bon, c'est un demi-poulet, franchement. Alors, je n'ai plus trouvé mes citrons, je les ai payés 1,40€, ce sont des, comme d'habitude, hein, mélasse à la vanille, des brebis, j'adore. En fait, j'évite de manger trop de laitage du lait. Alors là, par contre, c'est une tuerie, ça. 3 euros. Franchement, alors vous avez une part comme ceci, c'est que du brebis. Alors moi j'adore le brebis. Hein. Fromage de brebis, bleu crémeux et cantal AOP. D'où c'est que du brebis? Dans ma tête, c'est que du brebis. Je ne sais pas pourquoi je suis persuadée que c'était que du brebis. Mais c'est pas grave, je vais le manger, j'adore. Et le cantal, c'est très bon. 3 euros tout ça, franchement ça ne coûte rien du tout. Ensuite, des petits pois. Mais il faut toujours des petits pois chez soi. C'est une pub quand on était jeune. Eh bien, parce que j'ai un beefsteak que j'ai décongelé hier. Donc, ce soir, je vais peut-être manger du beefsteak. Mais si je mange du poulet, il faut que je mange mon beefsteak parce que je l'ai décongelé. Il va être perdu sinon. Donc, ben, je le mangerai ce soir. Mais ça fait deux fois de la viande, quoi. Mais bon. Voilà, avec des petits pois que j'adore. J'aime que cette marque-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah ben, ça, voilà le troisième paquet. Ça coûtait 1,66€ le paquet. Et j'en ai eu pour 3 euros. 3,12 euros. Là, légumes variés. Alors, j'en ai eu pour 1,25€, je crois. En fait, moi, je n'aime que le moulinet. Je n'aime pas le... J'ai plein de vidéos à vous montrer. J'ai une vidéo action que j'ai bien fait encore. Je n'ai même pas déballé. Pourtant, je devrais déballer parce que c'est vrai même que je lave. La FAQ qu'il faut absolument que je fasse, peut-être je vais la faire après, je sais pas, je vais voir. Ceci, du beurre bio, alors là, j'ai trouvé que c'était pas cher du tout. 2 euros et des bananes, franchement, il n'était pas cher du tout. J'étais étonnée. Du bio barat en plus. Quoi d'autre? Des clémentines à 1,59€ le kilo, ben j'en ai eu pour 1,59€ ou 1,60€. Non, 1,49€ le kilo et j'en ai eu pour 1,45€. Voilà, des belles clémentines. Qu'est-ce que j'ai pris? Je le prends tout le temps, ça. J'adore, je vous assure, j'adore quand il n'y en aura plus. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est la marque Fiorelli. Fiorelli, en fait, c'est vraiment italien. Et franchement, c'est une tuerie. J'en mets dans tout. Mais vraiment dans tout. J'adore. Est-ce que vous avez ce problème-là? Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. Viens, bébé, viens. Bah ouais, t'as pas ta mon arbre à chat, ma fille.
Moi, j'ai les rouges à lèvres qui glissent. Ça veut dire que je vieillis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la peau qui glisse. La peau lisse. Non, j'ai pas la police aux fesses. J'ai pas la police aux fesses. Non, la police. Bon. Je vous le dis, hein. Alors, ceci, 1,72. Alors, j'aurais dû prendre la marque Carrefour. Mais pourtant, c'est la marque Carrefour. Mais je sais pas, c'était marqué quoi? Oui, bon, Emmental râpé fondant. Et l'autre, il était à 1,29 €. J'aurais dû le prendre. Mais c'était trop tard. J'étais à la caisse. J'avais pas envie d'aller chercher le moins cher. Ça, j'en ai acheté un l'autre fois. Là, j'en rachète un. Je ne sais pas où je l'ai mis l'autre. J'ai payé 1,35 €. C'est du Syracuse. J'irai revoir Syracuse. Bref. J'en ai pour. Oui, je vous l'ai dit, Sybille, tu viens gaga, ma pauvre. Ça, c'est parce que j'aime toujours en avoir à la maison. C'est la mayonnaise au citron. Parce que Yannick vient samedi, vendredi soir, et j'ai l'intention vendredi soir d'acheter des bulots. Donc, il nous faut. Je ne mange pas de bulots sans mayonnaise au citron. Je suis compliquée, hein. Elle est compliquée, la Sybille. Hein. L'autre fois, on avait acheté du crabe, mais on n'avait rien. Et là, il y avait une promo, 1 €. Voilà. Je vais vous dire une chose, mais c'est horrible. Mais je vous jure, c'est horrible. Mais vraiment horrible. Hein. J'ai une phobie énorme des araignées. J'ai très peur des araignées. Et quand j'étais propriétaire, on avait dans ma cuisine, on avait mis des lambris. Et il y avait un lambris qui s'était un petit peu effrité. Et il y a une araignée qui est rentrée dedans. Mon amie, elle me connaît très bien, elle savait très bien que j'avais très très peur des araignées. Mais j'étais, mais limite, je ne pouvais plus respirer. J'étais blanche, une araignée qui va dans ma cuisine en lambris. Il fallait tout les faire le lambris, il fallait tout casser. Hein. Et en fait, elle me dit, Sybille, moi, tu sais bien que j'ai une maison. Et elle me dit, tu sais bien que moi, j'étais en appartement. Elle me dit, tu sais bien que j'ai une maison et que moi, je prends les araignées, je les mets dehors. Mais elle dit, là, la façon dont tu es, je ne peux pas faire autrement. Et donc, je lui ai dit, il y a ça, elle a pris ça et elle a planté l'araignée. Mais je suis désolée, c'était le seul truc qu'il fallait faire parce que j'ai une peur bleue. Et maintenant, je regrette sincèrement. Maintenant, je les colle. Maintenant, je prends de l'adhésif, l'auto-adhésif, et hop, je la colle. Et après, je la ferme. Une fois, il y avait une grosse guêpe qui est rentrée chez moi. Je vous dis pas. Je l'ai écrasée, je l'ai collée, puis je l'ai écrasée sur le bureau de mon fils. À l'époque, mon fils était avec moi, il y a 2-3 ans. Et mon fils, il dit, c'est quoi ça, maman? Ben, je lui dis, c'est la guêpe que j'ai écrasée. Elle est en dessous du scotch. Il dit, tu veux pas l'enlever? Je fais, ah non, je peux pas. J'ai une peur bleue. J'ai une peur bleue, c'est comme ça, c'est une phobie. Ensuite, je l'ai trouvé en bas de chez moi, en bas de mon travail, les avocats, je ne sais pas ce qu'ils valent. 2 € les deux. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre. Voilà mes petits achats du jour. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté plein de trucs, il faut que je vous montre. J'ai des soldes. Vous savez que j'ai acheté 2 robes magnifiques, mais d'une beauté que j'ai achetées chez Boho. Je ne les retrouve pas. Elles sont dans le sac emballées et tout. Je ne les retrouve pas. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais des milliards de bisous. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon make-up. Moi, je le fais comme ça, je le fais comme j'ai envie, je m'en fous. Je me prends pas la tête. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis, I love you, Ishli Budish, te quiero, ti amo. À très bientôt pour une très nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et likez, partagez, abonnez parce que ça fait plaisir. Hein. Puis comme ça, vous me retrouvez ma tête de folle. Moi, je vais dire le message de Sephora, ce qu'ils m'ont dit. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis, I love you, je te quiero, te amo, bye bye.